Je te vois, hein, avec tes appels de phare là. Putain, cette moto que t'as, mais ça va pas. Putain, qu'est-ce que t'as fait là? Je voulais racheter une moto de presse, mais j'avais pas envie de faire la recarbonne. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Ouais. Allez, 1, 2, 3, bonjour mes petits abonnés. Il y a André avec moi pour aujourd'hui. On va aller rejoindre Théo pour faire un shooting photo. Et voyez-vous la nouvelle moto d'André. Voilà. Alors, moi, personnellement, vous voulez mon avis? Moi, je peux vous donner mon avis. Tenez, on est au feu. Allez, hop. On va la regarder en long, en long, en large, en longueur, en travers. Voilà la nouvelle moto d'André. Alors personnellement, ce n'est que mon avis, mais je n'aime pas du tout. Il a dit, on sait tous qu'Agathe, elle a un goût de merde. Putain de merde. Non, moi ma moto, tout le monde l'aime. On m'a fait que des compliments. Faut dire ce qui est, elle est jolie. Elle est jolie. C'est vrai. Il dit c'est pas pour la même utilisation. Ouais, c'est sûr. Je vais aller chasser des sangliers. Avance, Bobby. Donc voilà. C'est bizarre, hein. C'est pas pareil. Alors, c'est un CB500X. Comment ça se fait que t'as pris ça, du coup? Ah, c'était pas trop cher. Tu l'as payé combien? 6 000? Ah ouais, quand même, hein. Pas trop cher, pas trop cher. Si je me prends des valises sur la tête, mais non. Ah, les vitements, ouais, faut falloir que je repasse les vitements. Ça fait bizarre, tu sais, t'es tout droit sur ta bécane, tu sais. Bon, les petits abonnés, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Bah non, c'est sur toi, espèce de bête. Alors, attends, je me mets à 50, sinon je vais devoir flouter, là. Je vous annonce que André est devenu... Non, papa. Moniteur moto. On applaudit bien fort André. Voilà, il était moniteur auto. Et là, il a passé... comment on dit, t'as passé quoi? Il a passé un diplôme pour devenir moniteur moto. Et il l'a eu, donc ça y est. André fait passer le plateau, la circuit et tout. Alors du coup, faut venir chez Free Conduite. Petit placement de produit comme il dit, ouais. Non mais en vrai, c'est... Enfin, c'est bien en vrai, hein. Et par contre, du coup, ça n'a pas été trop dur de passer ça? Ah, j'ai une autre nouvelle, les abonnés! Je viens d'apprendre une autre nouvelle. Alors, André va aussi devenir jury pour le passage des examens moniteur auto et moto. Donc, franchement, félicitations à André. Il y a de l'évolution, je trouve ça bien. Et je suis contente pour lui, mais il ne me l'a pas dit avant. J'aurais cru que j'étais plus qu'une simple amie. Il ne l'a même pas dit à sa mère, elle a compris. Même sa mère se demandait. Ah bon, je suis pas la seule, alors ça va. Ah, top, petit moment, petits abonnés, j'ai une troisième nouvelle à vous annoncer. Oh merde, ça fait chier. Ah, bon alors du coup, je vous ne dirai pas ce qu'il a dit. On vous le dira quand ce sera officiel. Donc, petit moment de doute, rien que pour vous faire chier. Eh non, il va pas se marier, non, bon, non, encore heureux, hein. Oh, attends un peu, hein. Donc voilà, il a dit que mes abonnés, s'ils veulent venir faire la passerelle ou le permis moto, eh ben vous savez où aller maintenant, vous pouvez aller chez Free Conduite. Et si vous dites que vous venez de la part de Mademoiselle Z400, eh ben on vous fera quelque chose, il vous fera un petit quelque chose si vous dites que vous venez de la part de Mademoiselle Z400, je vous donne mon code promo pour Free Conduite, voilà. Tu vois? Ah, je suis morte, c'est trop drôle. Mais t'as raison, toi et ta sœur, elle fait des roues. Il me demande si je fais des roues arrière avec mon Z. Moi, je veux faire des photos. Là, on va faire un shooting photo. J'ai trop hâte. En binôme. Il me dit, j'ai toujours pas perdu mes valises. Elles sont toujours là. Par contre, elles sont, ouais, elles sont pas droites du tout. Alors là, à gauche, ça penche en bas. À droite, ouais. Tant que ça touche pas la roue, ouais, tu m'étonnes. Moi j'allais dire, ça fait du bien de rouler enfin, tu sais. Et ensemble, ça faisait longtemps quand même, hein. C'est la base, nous, hein. Bon, bah en tout cas, Théo, merci, hein. Merci en tout cas. Merci, je dis.
J'ai dit en tout cas merci. Rentre bien. Allez, c'est parti. J'attends que tu ailles devant. Voilà, impeccable. Pour vous faire un petit retour, mes abonnés, on sort du shooting photo avec André et Théo. Et ben, c'était sympa. On aura quelques petites photos bien sympathiques, je pense. J'ai hâte de les voir. Et oui, j'ai un truc dans l'œil. Oh, je vois comment ça. Je vais rouvrir. Ouais, voilà, effectivement. Et moi, j'aime bien rouler avec André parce qu'il est prudent et on double pas à toute blingue là où il faut pas, machin. Je suis en train de m'étrangler avec le truc là. Bah, je sais pas, le casque. Je sais pas pourquoi il me serre la gorge, la tâche. La première fois que ça me fait ça. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ah, mais ça m'étrangle, je sais pas pourquoi. Non, je rigole pas, ça me chafouine un peu là, je sais pas pourquoi. Et ça me fait mal, je sais pas pourquoi, c'est comme si ça me serrait. Alors qu'il est serré, bah comme d'hab, mais... Après, si tu me vois étranglé sur ma bécane... Bon bah voilà, tu sauras que... Hein. Agathe étranglée sur sa moto par son casque, mort très conne, mais très lente et très violente. Voilà. Bon, bien voilà mes abonnés, c'était une bonne petite balade, un bon shooting photo. André, tu as un mot à dire pour m'aider à clôturer cet épisode? T'avais de la concurrence avec les canards, sinon ça va. D'accord. C'est vrai qu'on a vu des petits canards, effectivement. Mais non, c'était cool. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à mon Insta, Mademoiselle Z400, à mon YouTube aussi, évidemment. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, on va faire comme tous les youtubeurs, abonnez-vous à la chaîne. Et on vous dit à la prochaine. Bisous, bisous. Clap de fin. 500, c'est quoi comme truc? Alors c'est un CB500X. Bah faut que je le dise quand même. Pour le passage de... Bah... De passage de quoi? Pour le passage des examens moniteur auto et moto. Attends, je vais quand même faire un clap de fin parce que je vais me retrouver con sinon dans ma vidéo. Bon et bah voilà mes... c'est pas tout naturel tu sais. Bon et bien voilà mes abonnés, c'était une bonne petite balade, un bon shooting. C'est bon, ma batterie a pas explosé. Oh là là. Mais moi il m'étrangle mon casque, hein, je te jure. Hein. Oh non, t'abuses. Oh t'es pas sympa, un peu de silence qui dit. Ça c'est dégueulasse, je suis pas contente. Clap de fin.